Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire un big haul spécial action. Action et un peu de babou, etc. Je vais vous montrer ça. J'ai un peu de retard vu la quantité de ce bordel. Donc c'est parti, action. Alors, je suis allée souvent, du coup j'ai tout regroupé comme vous voyez. Et des sacs, des sacs de plage, etc. Et de la bouffe aussi. Donc, Big Jeff, la collection Big Jeff Barbecue est revenue à Action. Chaque été, elle revient. C'est génial. Et du coup, celui-ci, j'ai presque tout testé. J'ai même le barbecue en forme de boule de Big Jeff qui m'a coûté 20 euros. Mais j'ai pas encore utilisé vu que j'essaye de finir mes anciens barbecues histoire qu'ils soient bien abusés pour du coup ouvrir le nouveau barbecue. Donc voilà. Donc j'ai pris ce rub spécial steakhouse et des assaisonnements à faire mariner pour la viande de bœuf. Celui-ci, c'est steakhouse. Donc voilà, barbecue master. Qu'est-ce qu'il dit? Origan, black pepper et garlic. D'accord. Origan, poivre noir et ail. Et sûrement plein d'autres bons trucs. Franchement, Big Jeff, c'est une bonne collection de assaisonnement. Il y avait aussi la sauce barbecue, je sais pas si je l'ai reprise elle, bref je verrai. Donc là, celui-ci Texas barbecue, celui-ci c'est pour style Tex-Mex, etc. On dit Texas barbecue, hein. Donc celui-ci moutarde, poivre noir et chili. Donc voilà, ça doit être un peu piquant du coup. Ensuite, j'ai pris les trois que je découvre, hein, que j'avais pas. Et celui-ci, c'est spécial agneau. Je sais pas si c'est agneau, ça. Ah non, c'est saumon, pardon, seafood. Seafood, donc tout ce qui est poisson, etc. Donc celui-ci, basilic, cheese, je sais pas c'est quoi, et ail. Cheese, c'est quoi? C'est vrai, ça? Ingrédients. Oh là là, ça m'énerve les autres langues. Il y a trop de. Voilà, sel de mer, poivre noir, ail, ciboulette. Ah, c'est ciboulette peut-être. Chives, origan, thym et romarin. Ah, c'est pas mal. Donc, hâte de tester. J'avais surtout testé que les Big Jeff pour la viande de bœuf et poulet aussi, je crois. Donc voilà. Ensuite, ouais, apparemment, j'ai pris que ça au niveau Big Jeff. Ensuite, j'ai pris ce baume à lèvres à la pastèque. J'ai hâte de le tester. 100% vegan, 2 en 1. Sugar scrub. Donc, exfoliant sucré. Ah oui, il fait baume aussi. D'accord. Il fait les deux. Il fait et baume et exfoliant. Donc, voilà. J'ai hâte de tester ça. Moi qui kiffe tout ce qui est pastèque. Donc, ça tombe bien pour l'été qui arrive. Ensuite, j'ai pris des vitamines. Cette fois-ci, magnésium. Donc un par jour, il y en a 90 dedans. C'est pas mal. Ensuite, après les prix, on va savoir. Les mélanges d'épices, ça m'a coûté de Big Jeff 1,29. Ok. Le fixing spray. Ah, le baume gommage lèvres 1,29 aussi. Celui-ci, le fixing spray, ça permet de repasser ses fringues sans repassage. Donc voilà, tu vois, sans repassage, tranquille. Ça, c'est vraiment quand t'es pressé le matin. Et j'en avais déjà acheté un, mais je sais pas où il est, où je l'ai perdu, ou c'est mon frère qui me l'a piqué, je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc voilà, moi j'ai plein de fringues comme ça, bien froissées, bah j'ai hâte de les faire. Hein. De l'utiliser. Donc là, cette fois, j'ai pris de la vitamine D. Il y en a un par jour aussi et il y en a 300. Ah, c'est pas mal ça. Donc voilà. Les vitamines, ils m'ont coûté combien? 'Baume gommage, nanana, mélange épices, ouais. Magnésium 1,99 et la vitamine D aussi, je crois, vu que c'est la même collection. Ensuite, je continue. J'ai pris cette grosse carafe filtrante. Donc toutes les eaux,
Je sais pas si vous le savez, mais elles sont toutes à toxines. Toutes les eaux de source minérale, elles ont des toxines. J'ai même vu des vidéos de ouf sur YouTube qui une personne faisait bouillir les eaux, Evian, etc., Volvic et tout. Ça remontait des sortes de toxines vert, jaune, orange, dégueulasse. Et la seule qui était bonne, c'était la Moroccou. Mais la Moroccou a aussi des nitrates et c'est ça qui me fait mal au ventre. Du coup, je vais essayer de la filtrer dans cette carafe pour voir si ça marche. Parce que j'en ai marre d'avoir mal au ventre à chaque fois que je bois de l'eau. Donc 10 euros cette carafe filtrante. Et si elle est bonne, j'achèterai les recharges à filtre. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris. Je vais faire vite parce que j'ai peur qu'elle me lâche la batterie encore. Donc j'ai pris cette spatule à râper les murs et les fenêtres qui ont des saletés. Et ça aide beaucoup. Et il y a 5 recharges. 5 recharges là-dedans, dans ce boîtier. Et du coup, il faudra les mettre ici. Ah ouais. Et on en a déjà une, déjà prête. Et 5 en plus. Dans la recharge. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que la poignée est longue. J'en avais pris aussi une petite de taille. Donc voilà. Ça, c'est vraiment pour plus de précision sur les fenêtres, etc. Quand il y a des taches tenaces qui s'en vont pas, des sortes de croûtes ou de gras, surtout dans la cuisine. Donc voilà. Ça va m'aider beaucoup. Ensuite, j'ai pris aussi des spatules. Il y en a 3. Ça peut aider aussi. Donc voilà. À râper, ça m'a coûté la carafe 10 euros, raclure de mur, peinture avec lame 2,87, sac de plage 6,99, la belle, le beau sac de plage avec des fleurs, des plantes, oh, j'adore les cordes et tout, les cordelettes un peu paille sur les bordures. 6,99, trop pas cher. Franchement, j'adore les sacs de plage de sorte de cette de ce genre. Grattoir avec lame 2,99 et l'autre couteau 1,59. Bref. Ok. Ensuite, je continue vite. Ça permet de faire fuir les oiseaux au bord de ta fenêtre. Franchement, moi, ça me réveille et ça m'énerve. Même si c'est beau à entendre, mais voilà quoi, c'est bon. À 5h du mat, t'en peux plus quoi. Surtout que le printemps arrive, donc ça peut m'aider, ça, ce genre de truc. J'avais aussi acheté un moulin, un mini moulin que j'avais planté sur les plantes de fenêtres. Je ne sais plus s'il est toujours là d'ailleurs. Bah, du coup, je mettrai ça aussi à proximité. Ensuite, des chocolats. Lyon caramel blond, ça c'est nouveau, édition limitée. J'ai hâte de tester, franchement. J'ai arrêté d'acheter ce genre de chocolat, mais je me suis dit, les nouveautés là, j'aimerais bien les tester. Et vu que j'ai testé aussi les Lyon à la noix de coco et chocolat blanc, super bon. Avec mon frère, on a kiffé. Donc voilà, il y en a 5 par paquet et ça doit être 1 ou 2 euros, entre 1 et 2 euros. Les Oreo gâteaux, super bon. Donc, ouais, c'est moi qui ai mangé, hein, vous inquiétez pas. Heureusement. C'était 1,20 € au lieu de 2 euros. Donc voilà, c'était dans la promo de la semaine de Action. Les gâteaux Oreo, c'est super bon, c'est un truc de fou. Ensuite. Une brosse à visage en poils naturels. Brosse pour le visage. Ça dit quoi? Brosse douce pour brossage de visage à sec. Ah, à sec? Bambou et poils. Ouais, voilà, en bambou. Pour en savoir plus, lire la notice. Ok. Moi, c'est vraiment pour. Je sais pas si je fais brossage à sec, non. Non, non, c'est vraiment pour nettoyer le sébum, moi. Hein. Donc ensuite, 6 paires de semelles parfumées à la menthe. Donc voilà, c'est pas mal ça, surtout pour
L'été, vu qu'on transpire à mort. Semelles rafraîchissantes, 100% polyester. Bon, donc voilà, désodorisantes. Les semelles ultra fines, parfumées, atténuent l'odeur de transpi des pieds. Elles sont idéales pour être pieds nus. Dans ces chaussures, elle est recommandée de les remplacer chaque semaine. Elles sont adaptées à n'importe quelle période de l'année. Donc voilà. Ensuite, des petits slips, hein. Culottes australiennes. Ah voilà, des petits boxeurs, quoi, on va dire. Il y en a deux. En taille XL, j'ai pris. J'aime beaucoup parce qu'elles sont fleuries. J'aime beaucoup. Donc voilà. Et il y en a un qui est violet, tout simple, hein. Ensuite, d'autres lions. Celui-ci, caramel blond. Ah bah, c'est mon deuxième. Ah, je ne savais pas. J'en ai pris un deuxième. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. J'ai dû goûter, ouais. Ensuite, j'ai goûté les Duplo qui sont pas mal. Ah, la noisette. Ensuite, cela pour le matin, c'est pas mal aussi. Cookies, caramel et chocolat blanc. Les barres protéinées, là. Et vu que ceux-là sont nouveaux, jamais goûté. Ensuite, des super parfumées à la lavande, bah, comme celle à la menthe que je vous ai montrée. Ça, c'est bien aussi pour les mauvaises odeurs, etc. C'est pas que je pue des pieds, mais moi, je transpire des pieds surtout. Voilà. L'odeur, c'est vraiment quand c'est la canicule, hein, franchement. Voilà. Donc, ensuite, pantalon noir. Un peu cosy d'ailleurs. Taille XL, ceux-là, je crois, ils sont à 5-6 euros. Ensuite, des petits designs. Ah, des autocollants, voilà, bien glitter. À personnaliser sur des bloc-notes, etc. Et vu que j'aime beaucoup la couleur, là, un peu nuitée, étoilée, très jolie. Ah, j'adore. Ça s'appelle Fancy PU Leader 7. D'accord, donc voilà. C'est des sortes de stickers, hein, à personnaliser soi-même. Ah voilà, du Big Jeff encore. La Stexos, c'est ma préférée. Elle est top. Super top. Je crois que c'était la Barbie que j'avais pris, mais bon. Ensuite, un spray parfumé pour le corps. Aloha Beach. Celui-ci, il sent bon. Il sent bon la mer, là. Ça sent les fruits, je pense. Pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris encore des vitamines. Vitamine D encore ici. Celui-ci. Multivitamine de A à Z, un par jour encore. Donc ça, c'est vraiment le matin à prendre, mais pendant manger ou voilà quoi, ou des fois à jeun. Les à jeun, je crois, c'est le calcium, etc. Mais les multivitamines C et tout, D, je crois, faut les prendre. Ah, encore du magnésium, je crois, j'en ai trop pris. Hein. J'en ai pris en double. Vitamine B et vitamines, minéraux et plantes. Ça, c'est un mélange, d'accord, pour la peau, les cheveux et les ongles. La peau, les cheveux et les ongles. Ouais. Bon. Je verrai lesquels. Donc voilà. Et il y en a 60 à chaque boîte, chaque flacon, je veux dire. Les petits bols, la belle vaisselle de Action, qui est encore plantureuse, magnifique. J'ai pris que le bol, du coup. Hein. Je me suis calmée au niveau de la vaisselle. Ensuite, encore un autre sticker glitter. Cette fois nacré, un peu holographique, voilà. Très joli. Ça, j'ai hâte de personnaliser de moi-même. Ensuite, des éponges frottantes. Quickly need to clean barbecue. Ah ouais. Et les grilles et tout. Ça, c'est vraiment pour bien râper, mais sans trop exagérer, quoi. Et c'est pas mal quand même. Avec plus de précision, c'est pas mal. Donc voilà, il y en a 10 à tout quand même, c'est pas mal. Elles sont légèrement fines, comme vous voyez. Donc avec plus de précision, c'est pas. Ouais, avec plus de précision, c'est pas mal. Encore des stickers bleu glitter, cette fois très ciel. Un peu sirène d'ailleurs, bleu mer. Donc voilà. Ensuite, un autre spray. Island Love. Donc voilà. Je me rappelle plus des odeurs vu que j'ai vraiment pris juste après bien sûr avoir testé, j'ai pris mes deux préférés quoi, on va dire.
Donc voilà, ensuite un airspray color turquoise pour tester pour l'été, c'est pas mal. Je vois. Ensuite, un beau pantalon fleuri. Ah, il est beau, hein. Ah, j'adore. Un peu ample d'ailleurs. Toujours taille XL, hein, pour être tranquille. Donc voilà. Ensuite, un petit porte-monnaie holographique bleu turquoise. Trop joli. Il y avait aussi rose Barbie. Et voilà, quoi. J'ai préféré le bleu. Des coquillages pour faire la décoration. Donc voilà. Très joli coquillage. Oh, j'espère qu'ils ne sont pas cassés. Ils étaient au fond du sac. Non, ça va. Oh, ouais, ça va. Ça va, c'est correct. Ouf. Je vais le mettre sur le côté. Donc voilà. Et encore un sac de plage plantureux. Turquoise et vert. Très joli avec la cordelette. J'adore. Ah, mais je suis fan des sacs. Mais j'arrête pas d'en acheter. J'en ai même un là de chez Babou. Babou 4 euros ou 5. Et celui-ci 6 euros sûrement. Bon voilà, je vous dis pas les prix parce que ma vidéo elle va s'arrêter sinon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Faut que j'aille doucement. Ouais, j'ai acheté ça dans des boutiques. Ah, normal, la boutique normale, ça me revient. Donc un bol de noix de coco, très pratique, très joli. Il m'a coûté 2 euros. Ensuite, un spray style Victoria's Secret. Oh, il sent le bomber shell. Oh la vache, il sent bon. Bomber shell. Et je l'ai payé à peine 10, 11 euros, je crois.